Secret Story 11, Charlène et Benoît séparés, 6 anciens mettent l'ambiance. Ce sont les prénoms des 6 demi-finalistes de Secret Story 11. Au terme du prime de ce soir, c'est qui a quitté l'aventure, laissant poursuivre seule sa petite amie, Charlène. Mais le vrai spectacle, il était surtout à chercher du côté des 6 anciens, renommés en légende pour la soirée. Rien que ça. On a donc retrouvé Milly Neff-Naff accompagnée de son décolleté incendiaire, les Marseillais Jonathan et Anaï, puis Nadège, Zelko ou encore Mélanie de la saison dernière. Un beau panel qui a offert un florilège de répliques cultes en posant des questions gênantes aux candidats. On a par exemple pris un cours de séduction grâce à Zelko, qui s'est entiché devant sa télé de la blonde Charlène. Non sérieux, il m'arrive quelque chose et je suis pas bien là. Si ton copain n'est pas amoureux de toi, moi je le suis / Et puis il y a eu Milly Neff-Naff, qui a donné une bonne leçon d'ironie à Camille Laoc. Donc t'es très intelligente en fait / T'as réfléchi, et tout. La soirée a aussi été marquée par le faux mariage d'Alain et Laura. Pour finir en beauté leur mission, les deux amoureux ont dû jouer une dernière scène. Alain devait refuser de se marier et avouer à Laura que c'était en fait une mission. Cette dernière devait péter les plombs en plein direct. Mission réussie. Laura a insulté tout le monde, y compris sa robe de mariée, avant de rejoindre le confessionnal en hurlant. Convaincante. Vivian a passé la semaine dans la maison des secrets et a laissé une trace indélébile dans l'esprit des candidats. En plus de se balader tout nu, il avait notamment préparé des vœux spéciaux pour le mariage de Laura et Alain qui se couche avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue. Tout le monde en rêve ou pas / Laura qui pense qu'Alain était une star dans les années 80. On est en 2017 et soit elle ne sait pas compter, soit Alain est Jordi, et il a bien changé. Vivian Ceste qui chirlait / Sauvez-le de l'amnésie. Et vite. Daniel a résumé l'émission en une phrase: Ceste vraiment des abrutis dans la maison, il gobe tout. Il gobe tout / Alain abuse peut-être un peu trop du stylo blancheur. C'est dans son bleu. Fluo. Moins Vivian qui a fredonné mon beau sapin pour mimer le mariage. Juste parfait.